ce monde inconnu. La facilité à travers de son fils qui est Jésus. C'est lui qui je veux aller, je vais pas j'étudie, je dois, j'ai besoin d'avoir mon. C'était Jésus. Dans Apocalypse, a pris le temps d'élaborer pour accéder à ce que cela devienne ma vie que Dieu te voit. Si tu ne pas quel plan du chemin que je te conjure. Mais qui trace pour nous et attention, c'est qui nous a. Bonjour vous qui nous suivez. Bonjour à vous qui nous suivez. Bonjour à vous chers rois. Bonjour à vous chères reines. Bonjour à vous chères princesses. Bonjour à vous chers précieux bien-aimés. Oui, vous êtes précieux. Parce que le Dieu créateur a envoyé son fils spécialement pour vous. Pour vous faciliter, pour vous permettre d'entrer dans ces plans qu'il a élaborés pour vous. Oui, la fois passée, nous avions dit que le plan de Dieu, le bonheur était un résumé des plans de Dieu pour nos vies. Et pour faciliter cela, il a envoyé son fils afin que l'homme puisse avoir accès à ses plans merveilleux. Car il est écrit dans Jérémie 29, 11, je connais les plans que j'ai formés pour vous, les plans des bonheurs et non des malheurs. Et oui, comme il y a des principes, il y a des normes à respecter pour entrer en possession de ces plans et pour savourer ces plans merveilleux de Dieu. Aujourd'hui, nous venons encore auprès de vous. Par la grâce de Dieu, nous venons encore avec ces sujets. Votre choix déterminera votre bonheur. Oui, votre choix déterminera votre bonheur. Bien que le bonheur, c'est un plan de Dieu, mais l'homme a sa part de responsabilité. L'homme a sa part de responsabilité. Il est écrit, nous allons prendre nos Bibles, vous allez lire à la maison. Deutéronome 11, 26, 28. Il est écrit, écoute, je vous donne à choisir aujourd'hui entre la bénédiction des bonheurs et la malédiction des malheurs. Vous serez bénis si vous obéissez au commandement que je vous communique aujourd'hui de la part du Seigneur, votre Dieu. Vous serez maudits si vous vous détournez du chemin que je vous trace pour aller rendre culte à votre Dieu. Oui, c'est un choix.
L'homme doit savoir que Dieu lui a donné la liberté de faire un choix. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu te donne, Dieu nous donne la liberté de faire un choix. Il a élaboré le plan qui est là. Il nous a donné la facilité à travers de son Fils qui est Jésus. C'est lui qui au commencement était la parole, était avec Dieu, était Dieu et toute chose a été faite par elle. Donc c'est lui qui est la parole. Jésus est la parole. Et il dit aujourd'hui, voici je place devant vous le bien qui est le bonheur et le mal qui est la malédiction. C'est à vous de choisir. Si vous respectez mes commandements, dans d'autres versions, il est écrit si vous respectez ma parole, si vous marchez selon les normes de ma parole, vous serez bénis. Mais lorsque vous vous détournez de celle-ci, ma parole, vous serez maudits. Oui, je disais que Jésus est la parole faite chair. La Bible, il est écrit dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et toute chose a été faite par elle. Rien de ce qui existe n'existe sans elle. La parole. Donc il faut obéir à cette parole. C'est comme on avait dit l'autre fois, il a facilité au moyen de son Fils. Et comment? À travers la parole. Son Fils est la parole. Il nous suffit de faire un choix. Nous allons encore prendre Deutéronome 30, 15, 16 pour mieux éclairer notre pensée. Israélites, voici aujourd'hui je place devant vous la vie et les bonheurs d'une part, la mort et les malheurs d'autre part. Prêtez donc attention aux commandements que je vous communique aujourd'hui. Acceptez d'aimer le Seigneur votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace, d'obéir à ses commandements, à ses lois et à ses règles. Alors vous pourrez vivre, vous deviendrez nombreux et le Seigneur vous comblera de bienfaits dans le pays dont vous allez prendre possession. Je vais insister sur le trois points ici. Deutéronome 30, 15, 16 parle encore du choix. Mais ici, il dit ceci. Il est écrit, acceptez, je ne vais pas commencer au début, j'ai souligné quelques passages qui sont très intéressants pour nous. Acceptez d'aimer le Seigneur votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace, d'obéir à ses commandements, à ses lois et à ses règles. Et votre Dieu vous bénira. Oui. Ce sont les choses, ce sont le principe, ce sont le... Comme il est écrit ici, les commandements, ce sont les normes, les commandements qu'il faut respecter. Aimer le Seigneur, marcher sur le chemin qu'il est, les chemins qu'il trace pour nous et obéir à ses commandements. C'est alors que vous allez entrer en possession du pays que l'Éternel a préparé pour vous. Oui, nous avions dit que le bonheur, c'était un pays, c'était une maison, c'était un plan, c'était une maison que Dieu a préparée pour nous. Il faut la clé qui est le Christ. Et nous venons de voir que cette clé qui est le Christ, c'est rien d'autre que la parole faite chair. Qu'est-ce que le Seigneur voudrait nous dire? Acceptez premièrement le Seigneur votre Dieu. L'aimer, marcher sur le chemin qu'il trace et l'aimer.
Oui, votre choix, le choix que vous avez, c'est d'accepter le Seigneur. Le bonheur ne viendra pas du coup comme ça. J'aimerais souligner un point. Le bonheur, ce n'est pas seulement du fait d'avoir des enfants. Le bonheur, ce n'est pas seulement du fait d'avoir un mari. Le bonheur, ce n'est pas du fait d'avoir beaucoup d'argent. Le bonheur, ce n'est pas du fait d'être président ou reine. Parce qu'il y a des gens qui sont bien placés, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais n'ont pas le bonheur. Le bonheur, c'est l'ensemble de la c'est la satisfaction de l'ensemble de tous nos besoins. L'homme est buté à des besoins. À chaque étape de ta vie, à chaque étape de ma vie, j'ai un besoin qui se présente. Alors la satisfaction de ces besoins, et à chaque étape, cela crée le bonheur. Et comme aussi longtemps que l'homme existera sur la terre, aussi longtemps que l'homme vivra de son existence, il sera toujours buté à des besoins. Il aura toujours des besoins. Il voudra toujours combler ses besoins. Prenons l'exemple. Je suis étudiante. J'étudie, j'ai le besoin d'avoir mon diplôme. Une fois que j'ai mon diplôme, je voudrais bien trouver du travail. Une fois que j'ai du travail, je voudrais bien me marier. Une fois mariée, je voudrais bien avoir des enfants. Et après avoir eu des enfants, je voudrais bien voir ces enfants-là heureux, réussir. Vous voyez, à chaque étape de la vie, il y a un besoin qui se présente. Alors Dieu qui nous crée, il connaît l'histoire qu'il a écrite. L'histoire qu'il a écrite pour nos vies. Dieu a écrit une histoire de bonheur pour toi. Et c'est pourquoi l'homme est obligé de retourner vers celui qui a écrit son histoire. Car il sait de quoi il a besoin. Il sait ce qu'il faudrait pour que cela arrive à l'existence, pour que ses besoins trouvent satisfaction. Et cela, ce n'est pas que par Dieu. Je voulais souligner une chose. Chère reine, toi qui me regardes, j'entends une reine me dire, ben oui, on nous parle de bonheur. Est-ce c'est possible de vivre le bonheur? Oui, c'est possible de vivre le bonheur. Puisque c'est écrit et Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur, c'est possible de vivre le bonheur. Il te suffit juste d'avoir connaissance, d'avoir conscience qu'il y a un plan de bonheur qui est élaboré pour toi et de chercher à marcher selon les normes, selon le principe pour accéder à ces bonheurs. Et parmi les principes, nous avons dit, il faut faire un choix. C'est là même le but de notre sujet. Aujourd'hui, Dieu nous demande de faire un choix. Il dit, je place devant toi le bien et le mal. Je place devant toi le bonheur et le malheur. Je place devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Choisis le bien, choisis le bonheur pour que tu vives. Dieu te donne le choix. Et lorsqu'il dit, il donne le choix, nous avons vu plus loin dans notre livre de Deutéronome 30, 15, 16, il dit, dans ces choix-là, il nous invite à aimer notre Seigneur, à accepter le Seigneur, à marcher sur les chemins et à obéir à sa parole. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, tu me diras, oui, je vais à l'église, c'est bien beau. J'étudie la parole, je lis la parole de Dieu, c'est bien beau. J'ai des promesses de Dieu, c'est bien beau. C'est merveilleux. Mais là, je t'invite à une connexion particulière avec ton Créateur, à travers de son Fils qui est Jésus. La Bible dit dans Jean 1, au commencement était la parole. Et cette parole, c'est rien que le commandement dont Dieu nous parle. C'est Jésus-Christ. Il faut faire le choix d'accepter Jésus. Dans Apocalypse 3, 22, si je ne me trompe pas, il est écrit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, je mangerai avec lui. C'est ça les choix. Dieu n'est pas un dictateur. Il te demande juste de l'accepter. Si tu l'acceptes,
L'accepter, c'est comme ouvrir ton cœur. Il est en train de frapper. Au moment où tu es en train d'entendre cette parole, c'est Dieu qui est en train de frapper. Il veut venir s'asseoir. Il veut trouver place dans ton demeure. Il veut trouver place dans ta vie. Il veut s'asseoir avec toi et ensemble, vous puissiez voir comment marcher, comment faire des choses pour accéder au bonheur qu'il a conjugué pour toi. Premièrement, il faut faire les choix. Oui, lorsque tu fais les choix, tu dis j'accepte le bonheur. Accepter le bonheur, c'est accepter la parole. C'est accepter la parole, c'est Jésus-Christ. Dis Jésus, je t'accepte, viens dans ma vie. Viens, je fais un truc. Je veux que tu entres dans ma vie et je vais marcher sur le chemin. La Bible dit, si tu marches sur le chemin qu'il a tracé sur toi, c'est-à-dire si tu marches selon la parole de Dieu, tu acceptes cette parole, tu l'invites à s'asseoir dans ta vie et tu commences à vouloir la connaître. Il faut la connaître pour marcher selon elle. Comment je vais la connaître? L'une des choses, c'est lire et méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Lorsque tu médites la parole de Dieu, tu comprendras quel est le plan de Dieu. Dieu révèle son plan merveilleux à travers de sa parole. Dieu révèle son plan précieux et merveilleux à travers de sa parole. Vous savez, bien aimé, le diable le sait très bien. Il y a des chrétiens où Dieu leur a, les diables leur a laissé cette priorité ou ce luxe-là d'avoir une vie de prière efficace, mais pas une vie de méditation. Lorsque vous avez une vie de prière, mais vous n'êtes pas en possession de la parole de Dieu, ou en possession des promesses que Dieu a élaborées pour vous à travers de sa parole, vous aurez fait une prière de prière sans efficace. La prière doit être faite selon les normes de la parole, selon la révélation que vous avez de la parole. Et le diable le sait très bien. Le diable va te laisser aller à l'église. Le diable va te laisser prier. Mais le diable ne t'accordera pas ces privilèges-là de connaître la parole. En fait, connaître la parole, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître ce que Dieu voudrait pour toi. C'est un secret, c'est un trésor. C'est pourquoi il est écrit dans Josué, il est dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-la jour et nuit pour avoir du succès. Vous savez, il n'y a pas un super prophète, il n'y a pas un super pasteur qui vous dédie des paroles par rapport à vous si vous-même, vous ne savez pas entrer en connexion avec la parole. Nous allons voir dans Jean 14. Nous allons voir dans Jean 14, 15. La Bible dit, si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Et plus loin, il est écrit, moi et mon Père, nous viendrons faire notre demeure en toi. Au fait, le moyen de ramener Dieu dans nos vies, c'est à travers de sa parole. Que cette parole, que j'aime cette parole, que je fasse les choix de marcher selon les normes de la parole. Non seulement faire ces choix, mais m'en approprier. Que cela devienne ma vie. Cela veut dire, je suis habité à des réalités. La réalité me dit, dans notre famille par exemple, il y a des personnes, je vois une femme spéciale qui, dans leur famille, il n'y a pas de mariage. Elle s'est dit, chez nous, on ne se marie jamais. Chez nous, il n'y a pas de mariage. Ça, c'est une réalité qui est dans votre famille. Mais il y a une vérité. Dieu voudrait bien que tu te maries. Mais pour te marier, tu dois être entré en,
en connaissance de cette promesse. Il ne te suffit pas seulement d'entrer en connaissance de cette promesse. Il te suffit maintenant d'être, quand je dis s'asseoir, c'est-à-dire d'insister. Prenons le cas d'une femme stérile. Cette femme stérile qui ne sait pas concevoir. Je suis en train de parler à une femme stérile. La Bible dit qu'il n'y aura ni de femme stérile ni de femme qui avorte. Ça, c'est une parole de la Bible. Oui, c'est la parole. C'est Dieu lui-même. Maintenant, Dieu veut se révéler à travers cette parole pour que le bonheur soit par rapport à cette réalité que tu es en train de traverser, qui s'élève devant toi, qui est la stérilité. Qu'est-ce qu'il te faut faire? Entrer en connaissance de cette révélation, t'asseoir, c'est-à-dire insister, t'en approprier, faire de cette parole ta vie. Tu commences à prier par rapport à ça, tu restes là, tu implores Dieu par rapport à ça. Et à chaque problème de nos vies, il y a une vérité qui se présente. Nous devons entrer en connaissance de cette vérité, nous asseoir, nous reposer, c'est-à-dire placer notre détermination, notre foi en cette parole, s'asseoir jusqu'à ce que cette parole devienne vie en nous. Je disais que c'était un choix. Le choix que tu vas faire, c'est d'accepter Jésus-Christ. Et lorsque tu acceptes Jésus-Christ, c'est-à-dire que tu veux bien marcher selon la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Elle sera confrontée à certaines réalités que tu vis dans ta vie. Mais il te faudra maintenant t'asseoir, ce qui implique la détermination, ce qui implique l'espérance, la détermination, la foi, la persévérance, jusqu'à ce que cette parole devienne vie en toi. Merci encore de nous avoir accordé ce temps. Aujourd'hui, Dieu nous invite à faire un choix, le malheur ou le bonheur. Dieu nous donne la liberté de faire un choix. Je te conjure, ma sœur, je te conjure, chère reine, cher roi, de faire un choix. Tu ne peux pas parler de bonheur aussi longtemps que tu ne sais pas faire un choix. On ne saura pas aller plus loin, explorer certains terrains si tu ne passes pas par cette voie. Si tu ne passes pas par cette voie de la réconciliation avec Dieu ou de la connexion, c'est réconcilier, c'est connecter avec la parole, c'est connecter avec Christ. Tu dois faire cette parole avec moi. Jésus-Christ, toi qui es la parole, faites chair, toi qui au commencement était la parole, qui est Dieu, et toute chose a été faite par elle. Aujourd'hui, je prends la résolution de t'inviter, que tu entres dans ma vie. Viens, entre, prends la place du roi, du sauveur, de maître, de l'enseignant. Enseigne-moi, car tu es le chemin. Je vais marcher sur le chemin que tu es. Je vais m'asseoir dans la vérité que tu es et je vais vivre la vie que tu es. Fais cette prière avec moi. Insiste là-dessus. Dieu voudrait que tu fasses un choix. Que Dieu te bénisse, cher roi, chère reine, toi qui as suivi ces messages. Je sais que Dieu a un plan pour toi. Ce plan, c'est le plan du bonheur. Et je suis certaine que tu as fait le bon choix de suivre Jésus. Invite-le dans ta maison. Invite-le dans la vie de tes enfants. Invite-le dans ton foyer. Lorsqu'il va prendre la place du roi, c'est alors qu'il pourra t'aider. Ensemble, vous allez conjuguer le bonheur. Tu ne peux parler de bonheur si tu n'es pas encore réconcilié avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci encore pour votre temps. Nous allons nous retrouver prochainement pour essayer d'entrer en détail. Nous avons dit qu'il est la parole et il faut l'aimer, il faut marcher sur le chemin qu'il a tracé pour nous, pour vivre le bonheur. Nous allons essayer de décortiquer cela. Restez bénis au nom de Jésus. Faites le bon choix. J'espère que vous avez choisi Jésus qui est la parole, faites chair, la parole qui sauve, la parole qui bénit, la
clé du bonheur. Merci. Où irai-je? Loin de toi. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Demeurer avec le Seigneur. Accorde-moi de demeurer, Jésus. Accorde-moi de rester enraciné. Que soufflent les vents sur ma route. Lorsque l'adversité viendra. Lorsque les tempêtes viendront sur ma route, Jésus. Je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Dieu est fidèle. Dieu ne ment pas. Fidèle. Tu n'as pas d'autre alternative que Jésus. Tu n'as pas une autre possibilité que Jésus. Essaye Jésus. Essaye encore Jésus. Il n'y a jamais eu de confusion pour ceux qui se confient. Dis Seigneur, je vais demeurer en toi. Tu es fidèle, je sais que tu es fidèle.